Dire tout, ben après c'est un petit peu les aléas et les faits de course de chaque moment là. Je suis parti forcément avec une grosse motivation et mais j'ai eu des gros points de côté dès la moitié du premier tour. Et bon, moi je respire autant par le diaphragme que par les poumons quoi. Donc là il me restait un peu que la moitié on va dire. Et oui, j'ai vraiment vraiment souffert sous les skis malheureusement. Le tir était dedans. Voilà, donc maintenant il y a 3 jours pour préparer le chaos, la prochaine course, chaos sprint. Mais là, un petit peu déçu parce que j'ai beau avoir la niaque et la motive, j'avais la moitié du tronc, c'était pas évident quoi. Et c'est pas en rajouter, c'est comme ça, j'ai un gros point de côté, l'envie de vomir dès le premier tour. Bon, ben c'est l'effet de course, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une bonne récup et puis faire peut-être après là. Après, c'est des détails, hein. Une sangle de pantalon qui serre un peu trop, manger un petit peu plus qu'il ne faut, ce genre de choses. C'est des détails qui font le haut niveau et les variations de performance.